Elle est particulièrement tendue cette semaine qui précède le quart de finale tant attendu entre la France et l'Afrique du Sud. Entre les accusations de violence et de simulation de part et d'autre, cela promet une atmosphère rugueuse sur le terrain, et il faudra que l'arbitre de la rencontre, le Néo-Zélandais Ben O'Keefe, se montre à la hauteur. Malheureusement, François Stein craint que cette rencontre ne bascule sur une décision polémique. C'est la prédiction inquiétante de l'ancien international sud-africain, qui a fait les beaux jours du Racing 92 et de Montpellier en top 14. Ce France, Springbok est le match que tout le monde attend depuis 4 ans. C'est la finale avant l'heure, estime le double champion du monde dans un entretien accord à Midi Olympique. Et ce qui m'ennuie le plus, c'est que ce match monstrueux, magnifique, se jouera probablement sur une décision d'arbitrage, un carton rouge tiré par les cheveux ou un coup d'esbrouf de leur nouveau truc, là, le bunker, point. C'est d'autant plus regrettable car, selon Stein, ce match est presque une finale. Je peux juste vous dire que l'équipe qui remportera ce match sera championne du monde derrière, assure ainsi l'homme au coup de pied de mammouth.